Et bonjour à ceux qui n'ont pas vu les premières parties. Donc on est toujours sur Céleste. On va entamer le chapitre 6. À réflexion. Il y a un P. C'est reparti. Le savais-tu? Il est possible d'aller plus vite que son reflet. Théo, tu es réveillé? C'est vrai, j'en doute. J'ai fait un cauchemar de fou. Ah, c'était tout dans son cauchemar alors. Oui, à propos de... Attends. Ah oui, ça me revient maintenant. En fait, ça s'est vraiment passé. Ah, donc c'était pas un cauchemar. Merci de nous avoir tirés de là. Je suis contente que tu aies été ensemble. Elle commence à craquer, la petite. Je ne sais pas si je serais arrivée toute seule. Hein? Tiens, c'est nouveau ça. Je peux choisir ce qu'il va dire. Je suis restée dehors combien de temps? Qu'est-ce qu'il se passe maintenant ici? Je suis restée dehors combien de temps? Sans doute quelques heures. La vache, c'était sauvage. On peut le dire. Tu vas bien? Tu veux dire en dehors de la crise existentielle? Ouais, tout va bien. Ah d'accord, on a choix multiple, mais au final, le deuxième champ, là, ben, on est obligé de le faire quand même. Il est clair que cette montagne n'est pas normale. Qu'est-ce qu'il se passe vraiment ici? J'aurais dû t'en parler plus tôt. Dans les vieilles ruines, une partie de moi s'est échappée du miroir. Une partie dont je suis pas très fière. Je te jure que j'en ai rêvé. Tu crois que la montagne l'a rendue réelle? Oui. Elle ne cesse de monter. Elle s'en est pris à Monsieur Oshiro. Je crois que c'est à cause d'elle que la nacelle s'est arrêtée. Puis elle était là dans le temple. Pourquoi n'as-tu rien dit? Je ne serais pas entré dans ce temple si j'avais su de quoi était capable cette montagne. J'essayais de t'arrêter. Tu aurais pu prévenir que ton sosie démoniaque était en liberté. Allez, Théo. Tu sais que c'est complètement dingue. Moi-même, je n'y ai pas cru. Ok, ok. Je comprends. Mais la prochaine fois, préviens-moi. Je te jure que je te croirai. Ok. Pourquoi me fais-tu confiance si facilement? Sérieusement, tu me connais à peine. Honnêtement, tu me rappelles ma sœur. C'est adorable! Elle est comment? Ah, tu l'aimerais beaucoup. En fait, au début, tu avais sans doute du mal à... tu aurais sans doute du mal avec elle. Mais tu finiras par l'aimer. C'est une vraie rockstar! Elle est magicienne? C'est trop cool! Bon, elle n'est pas vraiment une vraie rockstar. Alex est juste génial en tout. Alex? Elle étudie le droit civil pour devenir avocate. Waouh! Et pourquoi je... Et pourquoi je te fais penser à elle? Toutes les deux, vous vivez très intensément dans votre tête. Alex a une boussole interne incroyable. Il est clair qu'elle ira là où elle veut aller.
Je vois ça chez toi aussi. J'aimerais pouvoir en dire autant pour moi. Qui a construit le temple d'après toi? Il a l'air très ancien. Il doit dater d'avant la montagne. L'hôtel, les ruines, la ville. Il y a beaucoup d'histoires ici. Ouais. Cette montagne a signifié beaucoup de choses pour plein de gens. Je commence à comprendre pourquoi cette vieille folle vit ici. Tu l'as croisée aussi? Qu'est-ce qu'elle veut? Je crois qu'elle est juste méchante. Mais elle a l'air assez heureuse de vivre ici. Merci Théo. Je veux dire d'avoir cru en moi là-bas. Corentin était la partie la plus simple. J'aurais bien aimé t'aider. Je n'ai pas servi à grand chose coincé dans ce truc. En fait, tu as beaucoup aidé. Honnêtement, je ne serais pas arrivé sans toi. Ta sœur a l'air géniale. Je te fais vraiment penser à elle. Tu plaisantes? C'est bien toi qui es absolument déterminé à gravir cette montagne. Et tu ne sais même pas pourquoi. C'est typiquement du Alex. Je te taquine. Et puis, pourquoi tu veux gravir cette montagne? Tu as raison. Je ne sais même pas pourquoi. Je veux juste sortir de ma propre tête. Je suis coincé dans un cycle. Tu prêches un converti, là. J'ai fait plein de boulot absurde, abrutissant. En fait, au niveau du boulot, ça va. C'est juste... Je deviens folle. Je n'arrête pas de penser à des idées aussi sans importance. Mon cerveau se bloque sur ces stupides choses qui vont se passer il y a si longtemps. Qui se sont passées il y a si longtemps. Ça ne devrait pas m'atteindre. Ça n'a plus aucune importance. J'arrive à sauver les apparences, mais en vérité, je suis complètement paumé. Je suis désolé, ça a l'air difficile. Je peux t'aider? Tu es déjà en train de m'aider. Ça fait du bien de pouvoir le dire. Tu n'en parles jamais à personne? Non, pas vraiment. Ma mère sait que je déprime et que je fais des crises de panique. C'est tout. Pas étonnant que tu te sens piégé. Comment veux-tu débrouiller avec tout ça? Je vois, principalement. Bah, c'est bien ça. C'est pour se rôle ma gueule. Hein? Hein? Et je m'énerve après les gens sur internet. Oh la haters! Oh, c'est pas joli joli tout ça. Et toi? Qu'est-ce qui t'attire à la montagne? Moi je suis juste en vadrouille. Comme toujours. Je commence ce nouveau boulot à Seattle. J'ai cru que j'avais enfin trouvé ma vocation dans la vie. Mais je déteste ça. Alors au bout d'une semaine, j'ai démissionné et pris un car pour le Canada. J'ai juste senti que j'avais besoin de... me perdre au milieu de nulle part. En m'écoutant dire ça, je réalise à quel point c'est étrange. On dirait que tu t'es très stressé. Pas vraiment. Tout le monde est patient avec moi. Mais je crois que c'est moi qui mets beaucoup de pression tout seul. Tout le monde croit que je me compare à Alex. Mais je te promets, ce n'est pas le problème. J'ai juste peur de ne jamais trouver ma direction. Tu as dit que tu voulais te perdre? C'est peut-être une chose que tu devrais accepter pour l'instant. Peut-être. Tu ne voudrais pas m'expliquer à quoi ressemble la dépression? C'est nul.
Ouais, mais ça ressemble à quoi? Alex en souffre aussi. J'aimerais savoir. J'aimerais vraiment comprendre. On peut aussi parler d'autre chose si tu veux. C'est comme le dessus au fond d'un océan. Je tourne mon regard et je ne vois rien. C'est de la claustrophobie. Et pourtant, je me sens exposé. Je me souviens de m'être senti normal, mais maintenant ça paraît hors d'atteinte, peu importe ce que je tente. En fait, j'ai sans doute toujours été en vrac. Mais pour que ça sorte, il a fallu un truc très douloureux. Il y a vraiment un truc qui cloche chez moi. Quoi qu'il se passe, je suis sûr que tu n'y es pour rien. Imagine que j'ai cru pouvoir. Je ne sais pas. Je suis en train de flotter dans cet abysse et je nage au hasard en espérant trouver quelque chose. C'est pour ça que je suis ici. Mais je ne peux pas m'échapper à moi-même. Je suis littéralement en train de combattre tout, de tous côtés. Et c'est peut-être totalement là. Madeline, tu m'as juste sauvé la vie. Ce n'est pas totalement là. Ouais. Ouais. Écoute, tu es quelqu'un de bien. Tu es un petit peu vive, mais tu es quelqu'un de bien. Je crois que tu essayes de te sortir de la routine dans laquelle tu t'es englué. C'est une raison pour tout à fait valable pour gravir en la montagne. Peut-être. Ça m'aide. Cette partie de toi qui te hante, elle est peut-être liée à ce territoire. Alors tu crois que je suis coincé pour toujours? Eh bien, elle a aussi... elle aussi, elle est coincée avec toi. Ça n'aide pas beaucoup. Oh, et un milliard de dialogues. Bon, allez. Tu veux donc détruire cette partie de toi? Ça ne te fera pas souffrir aussi. Si je ne le fais pas, elle me laissera jamais en paix. Elle dit me protéger, mais il est évident que c'est faux. Peut-être qu'elle croit le faire. Elle pourrait être un genre de système de défense tordu. Honnêtement, ça intéresse qui? Elle a tellement de pouvoir sur moi. Je la déteste. Tu pourrais peut-être apprendre à la contrôler. La plume aide beaucoup. Merci de m'avoir appris ça. C'est juste une des nombreuses pépites de sagesse de mon grand-père. Tu es proche de ton grand-père? Ouais, j'étais proche. Oh, je suis désolé. C'est pas grave, c'est la vie. Tout ce que je peux faire, c'est rester positif. Et vivre une vie qui ait du sens, parce que... c'est ce qu'il aurait voulu. Je suis vraiment désolé, Théo. Merci. Qu'as-tu appris de ton grand-père? Tellement de choses. En fait, c'est lui qui m'a appris à parler du mont. C'est lui qui m'a parlé du mont Céleste. Il disait que cet endroit avait changé sa vie. Après avoir quitté mon travail à Seattle, j'ai compris à quel point j'en étais proche. C'est comme s'il me disait de venir ici. Grand-père disait que cette montagne était spéciale. Tu crois qu'il est passé dans le temps comme nous? Tu crois qu'il avait compris le pouvoir de la montagne? Il m'a jamais parlé de ce qui s'est passé ici. Je doute que ton grand-père était aussi perturbé que moi. Son expérience a sans doute été moins violente. Il a découvert la montagne avant ma naissance. Je ne sais pas comment
il était avant ça. Je me demande ce qu'il a appris sur lui ici. Et si on prenait vacances plutôt? Qu'est-ce que tu veux dire? Allons, tu avais besoin de changement. Et tu as décidé de gravir une montagne. Pourquoi ne plutôt pas faire quelque chose qui te détendrait? Aller à Hawaï. Ou prendre un bain. Oh le coquin. Je crois que j'ai besoin de réaliser quelque chose. On dirait que tu as déjà assez de choses à faire. J'imagine que c'est un peu extrême. Mais je suis comme ça. J'ai besoin de me lancer des défis. Et je ne peux pas faire les choses à moitié. C'est tout ou rien. Tu sais quoi? Je veux me souvenir de cette nuit. Prenons un selfist. Je croyais que tu n'allais jamais demander. Tu sais, malgré tout, je me sens assez bien en ce moment. Attends une seconde. Tu vas atteindre le sommet demain? Il ne faut pas que ça porte la poisse. Ouais, je suis toute mouillée, toute excitée. Je suis prête à tourner la page. Je vais t'encourager. Tu devrais dormir un peu. Ok, bonne nuit, Théo. Merci d'être aussi cool. Que veux-tu que je dise? C'est naturel chez moi. Ça pète un petit peu le Théo, non? Ah d'accord. Ah d'accord. Ah c'est marrant ça. Est-ce qu'on va s'en servir plus tard? C'est juste pour la phase où... Hop. 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 D'accord. Le miserable. Petite aurore boréale. Les aurores boréales sont tellement belles. Oui, c'est vrai. Où sommes-nous? Il faut qu'on parle. Ok. Je comprends enfin qui tu es. Tu n'es pas mon reflet. Tu n'es pas mon vrai reflet. Ah non? Tu es tout ce que je dois laisser derrière moi. Tu es cruelle, parano, manipulatrice. Pourquoi tu dis ça? Non, ça va. Je comprends maintenant. Je n'ai plus besoin de toi. Alors tu m'abandonnes? Je te rends ta liberté. On sera toutes les deux bien plus heureuses. Et si... C'est stupide. Tu crois pouvoir m'abandonner comme ça? Tu crois pouvoir rejeter la toute responsabilité sur moi? Tu te crois supérieur à moi? Réponds-moi. Calme-toi, s'il te plaît. Me calmer? Ah, ça repart en taille. Yamete kudasai. Respire, Madeline. Utilise la plume. Ah, ça repartit. Petit jeu de la plume.
vas penser à une plume pour m'arrêter? Et bim! Tu ne m'es pas supérieur. Et tu ne peux pas gravir cette montagne. Il est temps de l'accepter! Madeline, qu'est-ce qu'il se passe? Quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Elle revient du coup. Ah d'accord. Sur la direction que j'aime, ouais d'accord, ça va. Là si je fais ça, il va monter. Ah d'accord, c'est bon. Waouh. Donc la plume c'est bien et bien un élément de gameplay. On y retourne. Je m'en doutais un peu mais bon. Hop. Oh ça va être dur ça. Oh ça va être dur. Tac tac. Hop. Oh là là là. Et la première fois j'étais arrivé jusqu'en haut direct. J'ai juste pas dâché quoi. Oh là là. Bon c'est faisable. Alors ici tac. Ah d'accord. Ouais. J'ai compris. Tac. Hop, c'est bon. On va faire tout le tour là. Voilà, là, 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 là. Ah ouais, faut vraiment mettre la direction, sinon c'est bon. Ouais, fallait que j'aie mon boost. Tac, tac. Bon, encore un niveau qui va prendre 30 ans. C'est bon. J'essaie de voir ce qu'il y a par là. Y'a rien ici. Vraiment? Ah! J'étais si proche! C'est fini maintenant! Pourquoi ne me laisse-t-elle pas tranquille? Je la déteste! Mais c'est une partie de moi. Je n'arriverai jamais à me débarrasser d'elle. Elle avait raison. Elle n'a pas réussi à gravir la montagne. Tout ça pour ça? D'accord. Dialogue. Est-ce qu'on peut nager là-dedans? Non. Visiblement non. Ah, attendez. Ouais, d'accord. On va passer par là en fait.
se parlent invisiblement. Ah, je m'en doutais. Bon, du coup, il y a peut-être quelque chose par là, par contre. On va aller voir. Ah. Ça se trouve, je me complique la vie pour rien. Je suis sûr de ça en plus. Ah! J'avais presque réussi. Bon, allez, concentration. Tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac. Hop. Tac. Tac. Ah, j'avais raison. Ah, la phase B. Ok. 1, 2. 1, 2. Et 1. Ah ouais, d'accord. Un, et deux, et un. Ah. Ok. Bon, on va regarder d'abord ce qui se, comment ça se passe. Là, pas le bon bouton. Ah, d'accord. Ah, ouais, j'ai compris. Ça va aller. Ah non, là c'était mort. Oh. Ah, je me suis approché, c'est pour ça. Tac, 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 tac. Ah, j'ai compris, c'est bon. Tac, ouais. Tac. 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 Ah, c'est bon.
phase B débloquée. Ouais, je pense qu'il fallait faire un peu plus que ça. J'arrête d'appuyer sur le bouton s'approcher tout le temps. D'accord, c'était là. Il y a quelque chose là, non? J'ai envie de voir ce qu'il y a plus loin. Bah, à quoi elle sert la plume? Je crois qu'il y a moyen de faire quelque chose là. Bah c'est bon. Oh dommage. Oh je l'avais tout à l'heure. C'est bon. Tac. Tac tac. Là, y'a rien ici, visiblement. Ça doit être par là. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Faire quoi ici? Bon. Dommage. Hein. Je sais pas ce qu'il faut faire. Peut-être par après. Peut-être plus haut. Mais plus haut. Tous les soleils brillent en toi. Bon. Et si je passe par en haut, c'est quoi? Y'a rien du tout, d'accord. Rien du tout. Bon, du coup, tac. Ah, d'accord. Ouais, je crois que j'ai compris. Je crois pas que j'ai compris en fait. Alors, tac. Si. Non, si. Non. Mais ça va passer. J'ai compris. Hop. Ok. Non. Bon. En théorie, j'ai compris. Ici, là, donc tac, ouais, non, tac, tac, et hop, bah voilà, non, 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 oh là là, putain, si j'étais mort là, j'aurais un peu de déception, je vois bien là-haut. Quoi? Donc ça doit pas être par là. Ah. Ok.
Jamais par le chemin le plus simple, je devrais le savoir plus tard. Ah, mais si! D'accord. Est-ce que je peux réussir à faire ça comme ça? Ben, dommage. Ok, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Du coup, maintenant. Pourquoi il l'a pas tapé? Pourquoi elle l'a pas tapé? Oh, mais. Ah, faut le savoir, ça aussi. Hein. Petit saut de ses morts là. Tac. Hop, oh, voilà. Parfait. Ah, petit changement d'ambiance. T'as pas quelque chose là-haut? Moi j'explore, hein. Je suis un explorateur. J'ai envie de voir en bas ce qu'il y a d'abord. D'accord, ok. Ouais, pas évident, hein. Mais non, mais pourquoi j'ai... Oh. On va utiliser le deuxième dash tout de suite. Hop. Hop, hop, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux savoir ce que c'est d'abord. Ah. Une sorte de jumper. Ça me fait penser au flipper. Je sais pas si vous avez connu le flipper, mais... Vous savez quand on jetait une boule là? Et si je dash dessus, ça fait quoi? Ah. Ah, on récupère son dash quand on... Ah, là, c'est pas mal. D'accord, en gros. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Ah ouais, d'accord. Donc. Waouh. C'était tout juste, hein. Bon, moi j'avance, hein. D'accord. Ah ouais, d'accord. Oh là. Début des embrouilles. Ouais. C'est faisable. C'est faisable. Sérieusement? Oh là là. Putain. Ouais, je vais essayer d'aller en bas, il y a peut-être moyen de passer par le bas, ce sera peut-être plus simple. Hop. Ouais, j'en doute. Ouais, d'accord.
Donc en gros, faut mettre direct la direction, tac, vers le bas. Hop. Ah, faut dasher. Il y a tellement de mécaniques maintenant qu'il faut tout retenir. Ça devient très vite. Ouais. Compliqué. Ici en fait. Je me doute qu'il y a des secrets partout dans ce stage là, mais bon. Moi je passe par là. C'est de prendre le chemin du haut. Bah d'accord. C'est pire. On va passer par en bas, c'était bien en bas je pense. Hein. Donc tac, 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 tac. Oh là 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 là. Tac, tac, tac. Ouais. Ah, j'étais dessus, j'aurais dû continuer ma route. Ah, j'ai toujours mon... Ah ouais, non, mais ça va en fait. Je trouve plus les mots là. Voilà. Alors c'est quoi ici? D'accord. Le but c'est juste de passer entre les bazars là. Entre les sphères. Bah voilà, c'est bon. Ok. Ça devrait bien se passer normalement. Non. Sauf si je fais n'importe quoi. Ok, ça c'est fait. On peut peut-être même passer directement, mais bon. La dernière fois en diagonale, d'accord, c'est bon. Hop, hop, hop. Oh là 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 là. Oh allez là. Compliqué hein, quand même ce jeu là. Ça plus la plume, oh là là, ça n'en finit jamais. Énervé, je reste zen. Oh, je l'avais presque. Tac, 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 tac. Et direct dans les pics, bravo, bravo. Et combien de temps? Oh, ça va. On se reconcentre, allez. Tac, 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 tac. Oh, pas loin. Je pense qu'après quand je serai à la plume, j'aurai bien maîtrisé cette partie. La plume, je vais bien galérer aussi. Tac, tac, tac. Ah, argent quand même. Tac, tac. Bon. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Bah ouais, direct dans le mur. Allez. Tac, tac, tac. Ouais. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Hop, hop. Oh, on y était presque. Tac, tac. Allez. Hop, hop. Hop, hop.
concentration maximum. Évident, hein. Franchement, c'est pas évident. Oh, je donne tout, hein, pourtant. Ah, j'ai été. Enfin, la plume, quoi. Et le compteur de mort qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. Hop, 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 hop. Ah, je me suis pas accroché. Putain, j'y étais. Là, pour le coup, j'y étais. Allez, là. Ouais, non. Tac, 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 tac. Hop, hop, hop. Oh, presque. Ah, trop. Ouais, d'accord, j'ai même pas besoin de faire ça en fait. Tac. Vous croyez quoi? Comment je fais? Ah, d'accord, c'est bon. Ah, d'accord. Ça, je l'attendais pas. Ah, j'aime pas ce truc là. Comment je peux... Attendez. Ah, même ça, je peux pas le faire. Voilà. Je vais essayer de passer de l'autre côté. Il me semble qu'il y avait un passage par là. Tac. 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 Hop. Hop. Ouais, par là. Oh.
pas évident, hein. Faut toucher pile poil le bon endroit de la sphère pour que... Ouais, ok. Sachant que je vais passer un certain temps là-dessus. Je suis à combien? 51 minutes déjà. Après, il y a 20 minutes de blabla au début, c'est vrai. Sinon, une plume encore. Ok. Je peux esquiver la première plume, je pense, et prendre la deuxième directement. Ok. Ça va être compliqué, ça. Allez. Génial. Ah, quoique. On va peut-être pu remettre un boost là derrière. En pied. De toute façon, là c'est fait. Des plumes, c'est vraiment sadique, hein. Je sens que je vais galérer encore là-dessus. Ah. Ah mais non, mais je saute au-dessus, quoi. Voilà. Ah, bravo. Bah bravo, encore plus. Restons calmes. Non! Moteur de mort qui grimpe, qui grimpe. Mais non! Oh là là! S'énerve pas, reste calme. Hop, c'est faisable! J'aurais pu l'avoir ça en plus. Hein. Ouais bon ça. Mais il est infini ce tableau là ou c'est comment? Destress. Hop.
attaque. Là, je l'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que je peux le faire. Ah d'accord, si j'oublie de dasher. Ah, droit dans les pics, comme ça. Pour le plaisir. Oh, je l'avais presque. Allez. Un peu de concentration. Ça, c'était beau. Retour arrière magnifiquement maîtrisé. Le compteur qui grimpe, et moi qui me rends boucle. Mais non. Reste calme, reste calme. J'arrive à me calmer, je vais peut-être pouvoir le passer. Au plus je vais rager, au plus je vais galérer, de toute façon, ça sert à rien. Allez. Je dis plus rien là parce que. Pfff. Genre de niveau là. Pas prise de tête. Je sais pas ce que t'en penses, YouTube. Lâche tes coms pour me dire ce que t'en penses. De cette partie vachement intéressante du jeu. Allez là! Allez là! Abonne-toi, je rends. Ah, les vieilles strats de Skyblock, c'était tellement marrant. Je sais pas si vous avez connu ça, les Skyblock. J'en ai parlé, je sais plus. Je sais plus si c'est dans cette vidéo ou dans une autre, mais...
pire, si c'est dans une note, vous pouvez aller la voir. Ça doit être dans la précédente, je pense. Enfin bref, les Skyblog, vous avez connu ça? C'est assez drôle, hein. Et... avec les pires... mais vraiment les pires techniques pour récupérer des commentaires, des abonnements ou des trucs du genre. Oh ça passe. Ah, le Korbach, qu'est-ce qu'il veut? Rien du tout. Ah, rebonjour. Évidemment, vous êtes là. Tu renonces à ce que je vois? Non, je suis tombé. C'est terminé. C'est probablement mieux comme ça. La montagne ne va pas de main morte. Oui, j'ai compris. Je n'ai pas été assez forte pour gravir votre stupide montagne. Vous pouvez à nouveau rire de moi si vous voulez. Je ne voulais pas vraiment dire rire. Il faut parfois savoir quand jeter l'éponge. Tu survivras. Vous avez quoi? J'ai beaucoup de temps pour réfléchir en sortant de cette grotte. Et c'est du passé pour moi. Cette partie de moi avait raison. Je ne peux pas le faire. Je vais juste rentrer chez moi, dans ma vie triste, et rester malheureuse pour toujours. Il est clair que tu n'en as pas assez. Taisez-vous, je sais. Je ne vais pas abandonner. Mais peu importe tous mes efforts, elle sabote le moindre de mes pas. Beaucoup d'enfants sont venus ici pour gravir cette montagne. Et ils ont tous abandonné. Dommage que tu sois tombé. Je commençais à croire que tu allais y arriver. Qu'ai-je donc de si spécial? Je n'ai jamais rencontré une personne aussi en colère contre elle-même. Honnêtement, je pensais que tu atteindrais le sommet rien que pour te contrarier moi-même. Eh bien, merci. Cette fille dont tu parles, on dirait qu'elle a une emprise sur toi. Parle-lui. Essaye de découvrir pourquoi elle a si peur. Vous pensez qu'elle a peur? Je ne savais pas. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Cesse de perdre ton temps et le mien. Et demande-lui. Qu'as-tu à perdre? Je ne sais pas comment la trouver. Elle est en une partie de toi, n'est-ce pas? Si tu la recherches, elle sera pas long à trouver. Alors vous savez, pour le... pouvoir de la montagne. Bien sûr que je sais, je vis ici. J'ai essayé de te prévenir. Vous deviez améliorer votre communication. Entrevoir la vérité est une bonne chose. Même si la plupart des gens n'acceptent pas ce qu'ils voient. Il n'y a pas de honte à retourner à ta voiture et t'en aller. Un jour tu seras prête et alors tu reviendras. Non! Je vais éclaircir tout ça. J'arrête de fuir. Je m'en doutais. Bonne chance. Comment pouvez-vous supporter de vivre ici? Ce n'est pas difficile d'être confronté à tout ceci en permanence? C'est vrai, on s'habitue jamais vraiment. Mais ça me maintient en forme. C'est ce qu'il me plaît. Mais si la montagne est tellement conflictuelle? C'est vrai, elle ne tourne pas autour du pot. Le Mont Céleste est un lieu de cure, ma chère. La première étape du soin consiste à se confronter au problème. Ce n'est jamais facile. Ne m'en parlez pas.
Ah, bien mes kudasai, le retour. Ah d'accord. On reprend de haut. Oh bah ça va. Ah, c'est pas ça que je voulais. Ok. Attendez, il y a un petit raccourci ici où j'ai rêvé. Ouais. Ça va pas être évident, mais je pense que ça peut le faire. Ça ira un peu plus vite, je pense, par là. Ouais. Ah, je vais trop à droite. Oh, j'étais. J'ai vu l'eau. Donc, c'est la fin après. Enfin, la fin au moins de ce tableau. Bon, on va le faire de manière classique parce que là, je vais devenir fou sinon. Je suis comme une boule de flipper. Dans les deux cas, ça me rend dingue de faire dans un sens ou dans un autre. Donc, hop. Oh là 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 là. Tac, tac, tac. Bah voilà. Voilà. Y'a rien par là. C'est bien que dans l'eau, on peut dasher comme ça. Ah oui, d'accord. On continue. Pour presser, on va le faire de manière classique. Hop. Pas la peine de se presser. Ça sert à rien. Ça me rappelle un peu les tortues ninja, ça. Est-ce que... Alors, tac. Ouais, ça va être dur, ça. Alors. Ah, est-ce qu'on voit pas les pics, en fait, à l'avance, donc... Tac, tac, tac. Allez. J'espère qu'il n'y a pas un truc au bout. Non, ça va. C'est moi que tu cherches? Je croyais que tu en avais fini avec moi. C'était une erreur. Je suis désolé. Tu crois avoir réussi à tout comprendre? Tu crois que tu n'as plus besoin de moi? J'ai dit que j'étais désolé. Il faut qu'on dépasse tout ça. Tu espères que je vais te croire? Tu as aussi des choses à te reprocher. Mais je sais que tu as peur. Écoute, on est au fond du trou. Se disputer ne sert à rien. Tu peux continuer de creuser.
Je pourrais nous faire tomber jusqu'au centre de la Terre. Ça servirait à quoi? Sortons d'ici, ensemble. Tu m'approches, tu le regretteras. Je t'approche, moi. Ok. Hop. Wow. C'est faisable. Hop. Ah. Ah, prends de là, d'accord. Bon, bah, c'est reparti. Tac. Tac, tac. Tac, tac. Oh, c'est quoi ça? Ah, d'accord. Oh là là là, wow, ça va pas être pas facile facile hein. Ah ouais d'accord, maintenant elle fait les deux. Moi je m'attendais à pire. Ah, boule de feu. Ah ouais, mais je vais faire avoir au même endroit. Alors, tac, tac. Toujours la même histoire. Comment je fais? Il y a un moment elle s'arrête de tirer ou... Ah, j'étais presque. Oh, j'ai cru que j'avais pas... Wow. Ça y est, les vraies embrouilles, elles commencent là. Yes. Bah d'accord, comment tu veux. Hop, hop.
Ah, je m'étais dit que si je vais direct dessus avant qu'elle lance ses boules de feu, c'est bon plan. Ouais. Tac, tac, hop. C'est chaud. Ouais. C'est faisable en plus de la manière dont je voulais le faire, mais c'est compliqué. Voilà. Ah! Yes. Pourquoi elle a besoin de la plume ici? Ah! Ah ouais, d'accord, ouais, ok. On va jouer comme ça. Hop. Ah, lé. Ah. Oh. Yes. J'ai cru que j'avais pas réussi sur celui-là. Oh non, pas ça. Là que les vrais embrouilles, elles commencent. C'est là que les vrais embrouilles, elles commencent. Ouh! Allez. Ouais. Oh, ça a pas l'air si dur que ça pour l'instant. Ok. Yes. Yes. Ouh. Ça se joue à peu de choses. Ok. Ouais, c'est fort ça, sérieusement. Ah mais si, d'accord, j'ai compris, c'est bon.
Ah, dommage. Ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. Hop. 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 Faut que... Allez, on arrête de stresser là. Hop. Je vais en mode tranquille. En mode relax, en mode Jiloel. Yes. Ah d'accord. Ah mais il y avait une plateforme là. Je l'avais pas vu. Flûte. Non, ah, trop bien. J'ai un pattern. J'ai un pattern. Mais non. Allez. Tac, tac. Hop. Hop. Allez, là. Tu vas pas rater, là, normalement. Voilà. Tac, ici, tac. Mais non. Je t'ai fait une faveur. Tu n'es pas alpiniste. J'essaie juste de t'aider. Rien de tout ça ne serait arrivé si tu m'avais écouté. J'aurais peut-être dû passer par en bas là. Mais n'importe quoi, j'étais dessus là.
Ouh. Allez, tac. 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 Tac, tac. Tac. Tac, tac. Tac. Mais non. Ah, j'avais. J'ai compris, c'est bon. Ah, faut que je reste sur place. Ah, ok. Tac, tac. Tac. Ah, j'ai paniqué. C'est de prendre son temps en réalité, ça va tout seul. Ah, j'ai ressauté. Ah là là. Allez là. Ah, c'est bon. Ok. Tac. Oh, j'étais dessus là. Temporiser, mauvaise idée. C'est dur quand même, hein. J'ai lâché, fallait sauter.
Allez. Hop. Quand je vais voir le compteur de mort, je vais être ébahi. Allez, on y va. Par contre, j'ai vu aucune fraise dans ce niveau, il me semble. Voilà, c'est comme ça qu'il... Ah ! Ah ouais, c'est pas fini après. Ok. Non. On dirait que je parle à un petit chien. Non. Devenir fou. Ok, hop, on se dépêche. Ah ouais, non, il y a ça encore après. Bon, je crois que c'est la fin après. J'espère. Franchement, j'espère. Parce que là on aura eu tout d'un coup. Oh, je l'ai pris. Yes. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, c'est faisable quand même, hein. Ok. Tac. Hop. Je vais pas m'énerver. Plus le fond vert qui commence à devenir dégueulasse. Parce que... il commence à faire nuit. Ah, j'y étais, je l'ai vu. Ouais, j'aurais du tempo. Tempo. Ça, c'est juste de la concentration en réalité. Oh, j'avais... Yes. Oh. Qu'est-ce que c'est? Très bien. Tu as gagné. J'imagine que tu n'as pas besoin de moi après tout. Tu veux que je parte? Je vais essayer.
Ce n'est pas ce que je veux. Je n'ai plus que jamais besoin de toi. S'il te plaît, travaillons ensemble. Travailler ensemble? Tu veux rire, n'est-ce pas? Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à avoir peur. Moi, c'est Magno. Oh, c'est mignon. Level up, carrément. Ah, double dash, d'accord. Sympa. Putain, je crois que c'était fini. On est mort de cette montagne de mort. Du coup, ses cheveux ils sont roses, puis orange, puis bleu. Ok, ça marche. Le triple dash. Ainsi, on atteindra peut-être le sommet. Tu veux toujours gravir la montagne? Pourquoi on retournerait là-haut? C'est bien de vous entendre. Hé, hey, merci de m'avoir expliqué des choses. N'en parlons plus. Je suis contente de pouvoir être utile de temps en temps. Madeline! Madeline, tout va bien? J'ai accouru pour t'aider. On dirait que tu t'en tires toute seule. Merci, Théo. Honnêtement, cette chute m'a peut-être servi. C'est la partie de toi dont tu parlais. Elle a l'air d'une adorable Madeline gothique. Salut. Tu avais raison, Théo. Je n'ai pas à avoir peur d'elle. Si on travaille ensemble, je crois que vous pourrez réussir à l'ascension. C'est trop cool. Attends, non. Je ne suis pas d'accord. Tu as dit qu'on devait d'abord discuter. Tu as raison. Je comprends que tu aies peur. Mais toutes les deux, c'est quelque chose qu'on veut faire. On doit essayer une dernière fois. YOLO! Ouais, vous pouvez. Je ne sais pas. On était si proches depuis. On est tombés. La montagne nous a déchirés. Oui, c'est ce qui s'est passé. Mais je dois croire que nous pouvons surmonter ça. Je dois croire que nous en sommes capables. Ce n'est pas une mauvaise idée. Mais attention, ça restera difficile. Cependant, il est incroyable que vous soyez allé aussi loin, alors que vous n'avez pas cessé de vous battre. Je pense que vous pouvez y arriver si vous coopérez. Ok, je vais essayer. Je peux être utile. Tu as déjà fait beaucoup pour moi. Laisse-moi au moins parler à ton sac. Porter ton sac. Bonne idée. Ça ne prendra pas longtemps. Chapitre fini. Il était temps. Oh là 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 là, 404 morts. Et phase B débloquée. Et 0 fraises.
Merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo. Lâche un pouce bleu si t'as apprécié. Laisse un commentaire si t'as quelque chose à dire. Et on se dit à la prochaine. Bye.